En 2018. Non, c'était en 2018. Enfin, je crois. Ouais, si. Oh là, mamie, elle se Ah rappelle non, des non, dates. non. 2017, pardon. My bad. Ah, je me putain, t'es perdu, ma porte. Et du coup, il se trouve que j'étais solo. Solo de chez solo. Et il se trouve que j'étais sur des applis de rencontres, tout ça. Et en fait, j'ai rencontré quelqu'un. Puis le truc s'est passé et tout, tu vois, tranquille. Donc il m'avait dit un prénom. Donc moi je me suis dit ok d'accord, bon ça c'est son prénom et tout. Et puis il m'avait filé son snap et ça ressemblait un peu à son prénom et tout. Donc du coup je me... Putain, ça ressemble un peu, ça part mal. Bah en gros, vraiment genre c'était vraiment le diminutif de ce prénom-là. Donc en fait ça ressemblait vraiment à son prénom. Donc du coup je me suis pas posé de questions plus que ça. Ça commence bien, vas-y. Et donc en gros, voilà, on fait un date et tout, ça se passe nickel, on fait un autre date chez lui, donc ça se passe encore une fois super bien. Et puis je lui dis, ouais par contre, moi je veux de la relation sérieuse, je veux pas de coups d'un soir ou je sais pas quoi, parce que j'aime pas du tout. Et il me dit, ouais t'inquiète, donc bon, ok. T'inquiète, ouais, de ouf mec. Tu sens déjà que ça va pas finir comme on l'espère. Hein, voilà. T'inquiète. T'inquiète, tu vois. Et donc du coup, suite à quoi, il m'invite à une soirée, il me dit qu'il fait soirée avec des potes et tout. Donc, sachant que je connaissais personne hein, de la soirée, hein, littéralement je connaissais que lui, d'ailleurs. Donc j'étais pas super à l'aise. Du coup, j'en profite pour demander si je peux pas inviter un pote. Parce que vraiment, je sens très fortement que ça va pas aller. Et pendant la soirée, avec ce pote, on se met bien, quoi. On se met trop bien, peut-être. Non, tout non, venant de ta part. Et donc, du coup, ça donne lieu à. On est un peu pété, quoi. Et Non, tout non, venant de ta part. les gens et tout. Me disent comme quoi on irait bien ensemble et tout, ce que je dis c'est non. Et donc du coup voilà, on en reste là. Sauf qu'en fait, pour aller à cette soirée, il y a un truc que j'ai omis, et c'est un truc très important. C'est qu'en fait, pour aller à cette soirée, il fallait se rendre chez lui, et les gens disaient ouais, tu viens pour la soirée. Je dis ouais, je viens pour machin, donc le prénom qu'il m'avait donné, le gars. Il me dit, mais non, on Ouais. connaît pas de machin. J'ai dit, comment ça? Non, tu t'es pas trompé depuis le début. J'ai dit, comment ça? Non, non. Et j'ai dit, ouais, c'est un peu bizarre parce que, genre, il m'a donné cette adresse-là, il m'a dit qu'il y avait soirée, et il y a personne d'autre qui fait soirée, tu vois, dans la résidence. Donc c'est un peu chelou. Et du coup, je montre le snap que j'ai, et il se trouve que c'était bien le snap de leur pote. Sauf qu'en fait, ce schlag m'avait donné un faux prénom depuis le début. Non. Sauf que ce gros Non. schlag, il s'est fait couvrir par ses potes en mode ouais, en gros, il assume pas son prénom et tout. Chose que j'ai su en fait, c'est en fait, il voulait pas que je cherche des infos sur lui pour éviter de chercher les noises ou quoi que ce soit parce qu'en fait, il se foutait de ma gueule depuis le début. Donc la soirée, je l'ai passée à me murger la gueule, évidemment. Parce que bon, après avoir appris tout ça, bon, voilà. Non, non mais c'est hautement improbable. Ah ouais, non, mais. C'est hautement improbable. Et donc, du coup, cette soirée-là, je suis resté avec mon pote à boire beaucoup. Beaucoup trop. J'imagine Puisque ta tronche à ce moment-là pour le coup. mon pote défoncé va aux toilettes. On sait tous très bien ce qui se passe. On l'a plus jamais revu. Moi, je vais aux toilettes aussi, parce que c'est pareil. Et donc du coup, on décide de se barrer parce que en fait, ça commence à tourner au vinaigre. Parce que t'as les potes qui se demandent ce que je fous là. T'as lui, vu que j'ai appris tout ça, j'avais pas forcément envie de lui parler et tout. Donc mon pote et moi, on se taille. Sauf que va te tailler quand t'es bourré. Ah, c'est pire en pire. Et donc du coup, on est arrivé à... Mon pote et moi, on dort dans un parc en dessous d'un truc, d'un jeu pour enfants, là, tu sais, genre les toboggans et tout de mes deux, là. Et juste à côté, il y avait un concert de System of a Down. Non!
s'est endormi en schlag dans un parc en écoutant System of a Down. C'est trop, je veux dire, je suis partagé entre l'idée de dire que, entre l'idée de dire pour le coup c'est dément et l'idée de dire mais c'est trop bien. Ah non mais le, l'histoire elle est complètement dingue et des histoires comme ça j'en ai à l'appel. J'en ai à l'appel. Mais c'est trop bien. Ouais, je sais pas si c'est vachement bien parce que quand même on va juste pris pour une conne à la base. Bon c'est vrai que pour le coup là, bon c'était